Don't act like you forgot. I call a shot, shot, shot. Like blah, blah, blah. Y'all should know me well enough. Bonjour madame, excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir un menu best-of Faut commander sur la borne, à l'entrée. Oui, justement, en fait, j'étais sur la borne, j'ai essayé de passer ma commande, mais j'ai pas réussi. Embêtant. Donc, vous pouvez prendre ma commande ici. Puisque vous êtes là, je vous écoute. Très bien, du coup, je vais prendre un Royal Bacon avec des frites et de l'eau en best-of. On n'a plus de bacon. Ah, il n'y a plus de bacon. Ben, je vais prendre un Big Mac alors. On n'a plus de steak. Ah, ben, je vais prendre un McChicken. On n'a plus de pain. Qu'est-ce qui vous reste? Les Chicken McNuggets. Ok, bon, ben, je vais prendre une boîte de 6 en best-of avec des frites et de l'eau, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de boîte de 6. C'est boîte de 9 seulement. Mais logiquement, si vous pouvez faire une boîte de 9, vous pouvez faire une boîte de 6. Ok, mettez la boîte de 9. Ce sera boîte de 9 alors. Ok, donc une boîte de 9, maxi best-of avec frites coca. Non, pas maxi best-of. J'avais dit best-of avec des frites et de l'eau. C'était pas une question. 12,30€ s'il te plaît. Monsieur, vous n'avez pas de Mac Café? Bonjour madame. Oui, je cherche un Mac Café. Bonjour madame. Pardon, pardon, autant pour moi, veuillez m'excuser. En fait, bonjour jeune homme, ça fait 3 restaurants McDonald's que je fais aujourd'hui à la recherche d'un Mac Café sur l'île et je n'en trouve pas. Il n'y a pas de Mac Café sur l'île même. Attendez, vous voulez un café? Non, non, je reformule. En fait, je suis à la recherche d'un Mac Café. Donc en fait, les Mac Café, c'est ce qu'on retrouve dans les restaurants McDonald's en France. Voilà, ce sont des petits corners dans les restaurants où il y a un barista, voilà, derrière le comptoir. Il y a également un assortiment de gourmandises, de viennoiseries, de pâtisseries, etc. Et en France, il y a, enfin, ici aussi, on est en France, hein. Bien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on est aussi en France ici. Mais je voulais savoir si dans les colonies France, dans les départements français, pardon, est-ce qu'il y avait également des Mac Café dans les restaurants McDonald's? Parce que je n'en ai pas trouvé jusque-là. Il n'y a pas de Mac Café ici, madame. Ah, d'accord, donc il n'y en a pas. Il n'y en a pas, d'accord. C'est embêtant parce que, en fait, dans les Mac Café, j'aime beaucoup les cinnamon rolls. Les cinnamon rolls, c'est vraiment mon dada. Les cinéma, qu'est-ce que ça, madame? Cinnamon roll. C'est, en fait, c'est une espèce de brioche enroulée avec de la cannelle. Ah non madame, il n'y a pas ça ici. Par contre, dans la station à côté, il y a des pommes cannelle. Dans la boutique, c'est une brioche aussi. Dans la station, d'accord. Mais il y a de la cannelle dans ce que vous m'avez dit là? Non. Il n'y a pas de cannelle, d'accord. Et il y a de la pomme? Non. D'accord, mais s'il n'y a pas de pomme et qu'il n'y a pas de cannelle, pourquoi est-ce que vous appelez ça une pomme cannelle? Madame, quand vous achetez un millefeuille, il n'y a pas millefeuille dedans, il y a 3. D'accord. D'accord. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Excusez-moi, rebonjour, madame. Oui, en fait, j'ai eu un petit souci à table. J'ai renversé le coca sur le plateau quand je me suis assis. Embêtant. Du coup, je voulais savoir si c'était possible de nettoyer la table. Nettoyer la table, bien sûr. Tiens. Ah, je vais nettoyer moi-même. Eh ben oui, je m'appelle ni Daniel ni Béatrice. On n'est pas dans ces du propre ici. D'accord. Du coup, est-ce que ce sera aussi possible de me remplacer le coca que j'ai renversé, s'il vous plaît? Bien sûr, j'aurais mis un grand. Ouais, carrément. Très bien. Ça fait 3,80€, s'il te plaît. Ah, je dois repayer. D'accord, bien sûr. Je vais chercher ma carte, je reviens.